Le clou du Jura, le feu de laurier est prêt. Donc, comme vous le voyez, le feu de laurier est prêt. Donc, voilà la recette. On va faire, mes chéris. Donc, vous allez voir comme ça se passe. Vous le voyez, mes bébés, comme ça se passe. Je mets l'eau là que j'ai préparée. L'eau de clou de l'eau de laurier là. Vous le voyez, mes bébés. Voilà. Très important pour la santé, comme vous le voyez, c'est l'eau là que j'utilise comme ça. L'eau là que vous allez voir, mes bébés. C'est très simple. Vous le voyez, ça a commencé à bouillir, mes bébés. C'est très, très simple. C'est naturel, mes bébés. C'est très bon. C'est la feuille de laurier. Depuis Guinée-Conakry. Merci bien. C'est la feuille de laurier que je vais faire la pommade pour nettoyer la peau, pour donner volume à peau, éliminer les rides, donner championnat. La peau va être champion comme bébé. Voilà, je commence mes bébés comme vous le voyez. Voilà, c'est le maïzena. C'est le poudre de maïs là qu'on appelle maïzena. Comme vous le voyez. Voilà, j'ajoute une cuillerée de maïzena comme vous le voyez, mes chéris. Voilà. Donc voilà la famille, comme vous le voyez. Donc c'est ça, c'est le coup de la que je fais. Vous le voyez la famille? Donc c'est ça. Donc voilà la famille, comme vous le voyez, je vais ajouter le lait, comme vous le voyez mes chéris. J'ajoute le lait en poudre. J'ajoute le lait en poudre, mes chéris. Le lait en poudre, comme vous le voyez. J'ajoute le lait en poudre. Voilà. Vous allez voir, ça va se faire la pâte. Voilà la famille. Voilà mes chéris. Voilà la pommade. Bientôt, ça va être prête. Donc, comme vous le voyez, je dois mettre dans la machine là, mais c'est trop chaud. C'est pour cela, je ne peux pas la mettre. Je vais la mettre ici, c'est chaud parce que je dois la retourner encore. Voilà. Je dois la mettre dans la machine, mais c'est chaud. C'est trop chaud. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas mettre ici. Vous allez mettre dans votre machine là, mais si ce n'est pas chaud. Maïzena, c'est le poudre de maïs. Le poudre de maïs. Donc, comme vous me voyez, je devrais mettre dans la machine, mais c'est chaud, je ne peux pas mettre dans la machine. C'est pour cela que je mets ici, mes bébés. Vous allez voir, c'est comme ça. Je mets ici. Vous allez voir bien. Après, je vais mettre dans la marmite encore. C'est chaud, donc vous le voyez, c'est comme ça se passe. Ça, vous allez mettre dans la machine, ça va être bien mou comme ça, mes bébés, si vous allez mettre dans la machine. Donc voilà. Donc, vous allez faire comme ça, mes bébés. Voilà, je retourne encore la marmite. Vous le voyez, je mets dedans encore. Voilà.
Je mets dedans encore. Donc, vous le voyez. Mes chéris, la pommade naturelle, voilà. Si je vais mis dans la machine, là, ça va être, tout va mouiller, tout va être toujours mou comme ça. Mais avec, c'est le plus long et vraiment, on ne peut pas utiliser ça parce que c'est chaud. C'est trop chaud. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter? Vous allez voir. On ajoute le jus de citron comme vous me voyez. J'ajoute le jus de citron, juste la moitié, comme vous me voyez, juste la moitié, j'ajoute ça. Donc voilà. Donc la famille, la pommade est prête. Vous allez voir comme ça se passe, voilà. Donc on se déplace ça d'abord. Donc voilà mes bébés d'amour, c'est par là que je garde ma conteneur là, vous allez mettre dans votre conteneur. Vous le voyez, c'est la pommade que vous allez utiliser. Voilà mes bébés. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter l'huile de la vitamine I, voilà. Vous pouvez ajouter en poudre là, le pucu en poudre là, voilà. J'ajoute l'huile là, si vous n'avez pas l'huile là comme ça, vous pouvez ajouter l'ampoule là. Donc j'ajoute l'huile de la vitamine I, comme vous le voyez, voilà. J'ajoute ça mes bébés, voilà bien comme vous le voyez. C'est la pommade pour nettoyer la peau, devient toujours blanche mes bébés, voilà. Ça c'est le poudre de maïs, vous le voyez. Le maïzena, on appelle maïzena, le poudre de maïs blanc. C'est traité quoi? Ils ont traité le poudre de maïs blanc. Donc mes bébés, voilà la recette que vous allez utiliser. Je vous assure, pour avoir une large de fleurs, même s'il y a les rudes, les mamans qui ont toujours de rudes là, les papas rudes là, c'est une recette, c'est chaud d'abord, donc c'est pour cela que je ne fais pas. Je ne vais pas vous montrer comment appliquer quoi. C'est très simple mes bébés, ça va vous aider beaucoup. Voilà, c'est la recette, c'est chaud quand même, voilà. Vous attendez, vous pouvez la garder au frigo jusqu'à 3 jours, mes bébés d'amour. Donc voilà la famille, comme ça se passe, vous allez voir, vous le voyez. Vous faites le massage, vous faites le max avec vos visages. Vous faites max avec vos visages, mes bébés. C'est très important partout. Voilà le corps, vous pouvez faire, ça vous donne toujours. Je vais finir, vous allez voir, c'est très important. Ça donne bien, ça nettoie bien mes chéris. Voilà, vous allez faire ça mes bébés, vous le voyez. Quand vous allez faire, vous attendez d'abord 30 à 40 minutes, 30 à 1 heure du temps, vous attendez la famille. C'est très bon, ça aide beaucoup, ça rend la peau mouille bien mes bébés. Donc voilà mes chéris, vous allez attendre. Donc, vous le voyez, ça n'a même pas duré avec moi. Vous le voyez, la couleur de ma main, ça blanchit, ça nettoie bien. Vous avez vu, juste ça, même pas 2 minutes, mes bébés. Donc, essayez, vous allez aimer cette recette-là, c'est naturel. Vous ne déposez pas et frugo si c'est chaud, hein. Vous attendez d'abord. Juste 3 jours, c'est important, mes bébés. Et si c'est important, vous pouvez la faire, voilà. C'est important, c'est très important. Juste très simple ingrédient que vous allez utiliser. La feuille de laurier. Juste la feuille de laurier, voilà, c'est la pommade de la feuille de laurier que je fais. La pommade de la feuille de laurier.
Ça éclaircit bien la peau, comme vous connaissez bien. Ça donne bien la peau, ça donne bien, je vous assure, mes bébés, voilà. C'est l'œillet, voilà, c'est la feuille de l'œillet, c'est très important. Vous le voyez, non? C'est ça que je fais comme ça. Donc, c'est important, mes bébés. Merci bien, la famille.